premièrement vous dire que ben, on ne baisse pas les bras et on travaille et que les choses avancent bien. Donc vous le savez, le musée est fermé pour travaux. Pour autant, voilà, ça fait partie à un moment ou à un autre, ces événements-là, de la vie des musées. Il faut bien qu'on se rénove, qu'on s'agrandisse, qu'on se mette aux normes, c'est ce qui se passe à l'ODEV. Nous avançons bien et nous avons l'intention d'ailleurs de pouvoir faire visiter, on va voir si c'est à l'automne, le chantier, pour vous donner un petit peu à voir et pour vous donner envie par rapport à ce que nous sommes en train de préparer, parce que c'est pas une petite réhabilitation, c'est un projet je crois de grande qualité qui est en train d'être mené. En tout cas, ceux qui commencent à le visiter sont un petit peu bluffés. C'est important pour l'ODEV de se doter de cet outil qui va être un vrai poumon pour la ville. Et donc voilà, on est dans nos phases de travaux dans les temps. Pour autant, on avait pensé à un moment que l'on ferait une exposition l'année prochaine à l'intérieur du musée. On a fait un choix différent. Parce que je crois que quand on va vraiment ouvrir ce musée au public, il faut que les choses soient parfaites. Découvrir avec un musée en chantier, avec encore des échafaudages, des parties, voilà. C'était pas très satisfaisant pour nous. Donc on préfère vraiment mettre le paquet sur l'ouverture et avoir quelque chose qui soit un événement majeur et pas ouvrir à moitié avec un peu d'insatisfaction là-dessus. Donc voilà, on va réussir cette ouverture, mais du coup on va continuer à travailler dans le saignée des évêques pour les deux, enfin, cette année et l'année prochaine. Ce qui est important, c'est qu'à l'ODEV, le musée est fermé, mais la vie continue, la vie du musée. Il y a beaucoup d'événements en parallèle, donc il y aura cette année une exposition, Madame Papin vous en parlera, couplée avec un nouveau lieu à découvrir, quelque chose qui, je pense, va toucher les Lodévois, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils n'y sont pas retournés. Mais qui va intéresser le public montpelliérain, c'est qu'en même temps que l'on pourra visiter l'exposition, l'on aura accès à une visite du parc du château de Montplaisir. Ce château de Montplaisir, il se situe sur la route de Bédarieux. C'est un lieu magnifique avec un très beau parc. Et comme notre exposition était en lien avec la forêt et les arbres, ça nous a paru intéressant de faire connaître un lieu patrimonial lodévois qui soit de grande qualité. Donc on a eu un accord du propriétaire. Et voilà, en même temps que l'expo l'année dernière, qui était une exposition qui mettait en valeur des grandes tapisseries, on a fait visiter la savonnerie. Cette année, on va faire visiter ce parc du château de Montplaisir. Je pense que l'exposition de cet été va séduire, en tout cas j'y compte. Ce qu'il faut, c'est que notre public ne perde pas le chemin de l'ODEV. Donc on a toujours tenu à ouvrir de nouveaux espaces à la découverte, à être très présent, malgré bon, les difficultés que sont la fermeture du musée. Alors, Juste un détail qui n'en est pas un, sur la ville de l'ODEV, le musée, dans son projet, va annexer la médiathèque actuelle. Donc la communauté de communes porte le projet du musée, la ville de l'ODEV reconstruit une médiathèque. Sur le site de l'ancien lycée, nous rentrons en phase travaux au mois de septembre pour une livraison en 2018. C'est un outil qui nous a paru intéressant de penser au service de toute la population. Des élèves, parce que sur l'ODEV, il y a 3000 élèves de 2 ans jusqu'au BTS, mais aussi un espace qui soit un lieu de vie, donc on aura l'occasion d'y revenir. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus, parce que
Clodin, vous le savez, c'est une petite ville de 8000 habitants. Le cœur de ville où se situe le musée et la médiathèque est classé en quartier prioritaire politique de la ville du fait de la paupérisation de sa population. Et moi, je pense que positionner au sein de ce quartier deux établissements culturels forts, ouverts à tout ce public, c'est un acte politique fort. Voilà, je voulais vous dire ça aussi comme message. La culture, il faut qu'elle soit là sur les grands événements, mais il faut qu'elle soit accessible à tous au quotidien, et notamment à ceux qui en ont le moins. Et je pense qu'à l'ODEV, c'est un pari qu'on peut réussir dans le futur, autour de ces deux lieux qui vont être des lieux très forts, très vivants et très emblématiques pour nous. Voilà. Donc, en 2018, on réceptionnera en même temps que le musée la nouvelle médiathèque. Sur le festival, je vous dis qu'un mot parce qu'après, c'est Fadila qui est l'élu en charge de toute la politique culturelle. Je veux que ce soit elle qui puisse vous parler de tout dans le détail. Sur le festival, vous dire que voilà, on prend notre place. On va vous faire une proposition, je crois, d'un festival de grande qualité. Et puis, on va découvrir au travers de cette édition, un peu par la force des choses, hein, parce que vous savez que l'ODEV a été très touchée par les intempéries. Et il y a un certain nombre de lieux qui ne sont pas accessibles aujourd'hui, parce qu'il y a des remises en état qui sont à faire. Donc du coup, on va vous en faire découvrir d'autres, parce que cette ville ne manque pas d'atouts. Donc ça sera l'occasion de se poser ailleurs pour un certain nombre de manifestations. Et bon, comme ce festival, eh bien, il vit, on va le faire vivre dans d'autres lieux que vous découvrez. Ouais. Je dois vous dire que sur tous ces projets, ben, la ville de l'ODEV est très fortement accompagnée par l'État, le département et la région. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, ça vous le savez, mais c'est nécessaire de le rappeler chaque fois. Et l'Europe. Voilà. Et vous rappelez que, je pense que vous le savez, mais qu'on est un territoire audacieux en matière de culture, exigeant, et que nos propositions elles sont toujours de qualité, et qu'il n'y a pas de désert culturel en Lodévois et Larzac. Même quand vous êtes un petit village de 28 âmes, vous pouvez avoir accueillir chez vous un spectacle qui s'adresse à la fois aux habitants et bien sûr à l'extérieur. Mais ça, ben, je crois que c'est important de le rappeler parce que il n'y a pas beaucoup de territoires qui ont cette politique. Alors moi, j'insiste là-dessus. Vous rappelez aussi, enfin, vous l'avez dit, Madame Bousquet, que le centre-ville est quartier prioritaire de la ville, ce qui veut dire que les revenus des habitants sont moins élevés que la moyenne nationale, bien moins élevés, mais que par contre, un Lodévois peut aller à la médiathèque, un Lodévois peut assister à des spectacles. Nous avons aussi une politique tarifaire qui est très favorable. Rappelez que pour le musée, nous avons choisi, nous avons voté la gratuité pour les étudiants jusqu'à 25 ans, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on a voulu le faire pour permettre cette accessibilité qui fait partie de l'éducation de nos jeunes et leur donner toutes les chances de réussir, réussir avec un grand R bien sûr. Je vais vous dire deux mots sur concernant Résurgence. L'année dernière, c'était la première. L'accueil a été favorable. Nous avons eu notre public, enfin une partie du public qui nous était fidèle. Nous avons attiré également un autre public qui venait de tout le département et même au-delà. Et vous dire qu'on a fait quelques réajustements, mais on rempile parce que ça fonctionne bien et que le public est attentif à ce que l'on fait. On a revu certaines choses, c'est-à-dire que certaines propositions pourront jouer plusieurs fois. L'année dernière, c'est vrai que c'était un petit peu la course. Parfois, on ne pouvait pas voir toutes les propositions. Et on a facilité, on a voulu travailler sur le confort du public à ce niveau-là. Concernant, j'en dirai pas plus sur les urgences, Franck va vous en parler. Concernant l'exposition d'Alexandre Lannes, question aux arbres d'ici. Alors il interroge les arbres de notre territoire. Mais il ne faut pas croire que c'est une petite exposition locale. Ce n'est pas du tout le cas parce que cet artiste-là, qui a déjà un certain âge, il a un rayonnement qui va au-delà même de nos frontières. Il a exposé un petit peu partout dans le monde et c'est un grand, grand honneur de le recevoir. Vous dire aussi qu'on a,
dernier aussi très moderne, hein, à l'EDEV, on a mené une campagne de crowdfunding pour pouvoir revoir toute la scénographie. Et donc, on va vous proposer des choses très sympathiques. Il va vraiment falloir venir voir, hein, parce que là, on vous en parle, mais on veut voir l'EDEV aussi. Le vernissage, c'est quand? C'est le 17, non? Le 17 juin. On vous donne rendez-vous le 17 juin, parce que ce sont des mots, il va vraiment falloir venir. On a travaillé avec des artistes pour avoir également de l'audio. On a travaillé aussi sur des sièges, etc. Vous allez voir, c'est très très sympa. Que puis-je rajouter? Le fait que le musée soit fermé, notre activité continue. On explore plein de pistes. On a également travaillé par exemple sur du street art avec Alstiquet. Ça a eu un impact phénoménal sur la ville. Et ce genre de propositions, ben, on va les renouveler. On va essayer de travailler aussi là-dessus parce que ça attire aussi un public qui n'est pas celui du musée parfois. Et c'est important, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est important de s'adresser au maximum de personnes, au maximum, à tous les publics. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié, très certainement, j'ai oublié des choses, mais tout ce qui concerne la réhabilitation du musée, elle se fait en lien bien sûr avec le territoire et qu'elle va mettre en valeur déjà nos expositions permanentes qui sont phénoménales. Hein. On a un fonds archéologique qui est un des plus importants de France. Travailler là-dessus, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais le résultat va être, il va être à la hauteur des richesses de ce musée. Et puis, je crois que j'avais le fonds d'Ardé. Et le fonds d'Ardé, bien sûr. On est là pour le festival et pour l'exposition d'été. Oui. Donc on va vous donner un autre rendez-vous pour vous dévoiler encore le projet musée. On se donnera un rendez-vous sûrement en automne pour vous faire visiter, vous en parler, vous dire ce qu'on va y trouver. L'idée étant de transformer l'essai de l'année dernière, un essai dont on a tiré un bilan globalement positif. L'idée reste celle d'une manifestation donc dédiée à la vitalité des arts vivants, d'en faire un moment de foisonnement. On attend une vingtaine de compagnies pendant 4 jours, une quarantaine de rendez-vous artistiques seront proposés au public. On a densifié donc encore la programmation pour être sur une manifestation donc qui sera d'envergure sur ces 4 jours. Et dédié à la création dans l'espace public, puisque ça c'est un peu l'ADN de cette manifestation. Festival des arts vivants, je l'ai dit, donc l'idée est de proposer vraiment la possibilité au public de se construire des parcours artistiques variés pendant ces 4 jours, avec une grande diversité des esthétiques. On va accueillir aussi bien du conte que de la musique, je ne devrais pas la mettre au singulier d'ailleurs, il y aura plusieurs types de musique évidemment, du théâtre, de la danse, du cirque, et puis diversité des formes également, puisque des spectacles vont être donnés en déambulation, d'autres en fixe, certains sur scène, d'autres évidemment à même la rue. Il y aura des concerts, des ciné-concerts également, des spectacles grand format également. Ça c'est une évolution de l'année dernière, on a décidé de consacrer notamment la place Francis Mohan, qui est la grande place derrière la cathédrale, à l'accueil de spectacles grand format plutôt que de concerts, parce que c'est un type de spectacle qu'on ne pouvait pas accueillir jusqu'à maintenant, faut des espaces dédiés. Donc ça c'est une nouveauté, en tout cas une évolution par rapport à l'année dernière, et on accueillera notamment une très belle proposition du cirque Rouage qui s'appelle Saudade. Diversité des formes, je le disais, donc des spectacles grand format, mais aussi des formes beaucoup plus intimes, ou en tout cas beaucoup plus intimes, beaucoup plus en proximité avec le public. C'est le cas par exemple du collectif Sauf le Dimanche, qui est un collectif de danse contemporaine, qui va être une compagnie un peu fil rouge de ce festival. On a 3 équipes artistiques qui seront fil rouge, c'est-à-dire qui vont être présentes sur l'ensemble du festival. C'est la compagnie nocturne, la fanfare d'occasion, et donc ce collectif de danse contemporaine.
ce qui permet aussi de favoriser la rencontre avec le public. Le collectif Sauf le Dimanche va présenter 4 spectacles de son répertoire pendant le festival. Mais vous retrouverez évidemment sur le site internet qui est opérationnel dès aujourd'hui, des extraits vidéo beaucoup plus longs et beaucoup plus fournis de l'ensemble de la programmation. Donc diversité des arts vivants, je l'ai dit, un festival totalement axé aussi sur la découverte et la création. Ce qui nous intéresse, c'est d'aiguiser la curiosité du public, de lui présenter des spectacles dont les noms ne vont pas forcément lui parler, mais qu'on a envie dont on a envie de partager la qualité, l'originalité. Ça, c'est vraiment l'axe de notre projet artistique. Et un festival, je l'ai dit, dédié à la création artistique. Festival de création, je le disais, l'objectif du festival, c'est qu'aussi il soit le moment pour des artistes, évidemment, de montrer ce qu'ils viennent de fabriquer, voir ce qu'ils fabriquent spécialement pour l'occasion. Ce sera le cas du bal du dimanche soir, qui est une proposition imaginée spécialement pour le festival, qui s'appelle Balatroc. Mais c'est aussi une attention particulière donc à des projets qui ont été fabriqués dans l'année ou qui vont être fabriqués et qui vont être joués pour la première fois ou pour les toutes premières fois dans le cadre du festival. On accueille pas moins de 8 projets de création cette année, dont 2 sont spécialement conçus pour le festival. Ça va être l'occasion donc d'accueillir Banque Alchérie, qui est un quatuor de musiciens dont certains d'entre vous doivent connaître la carrière, puisqu'il s'agit de Guy Monnet, Humbert Humbert, Nicolas Jules et Roland Bourdon, qui réunissent leurs univers dans un spectacle sous le signe du féminin. On accueillera aussi la prochaine création de la compagnie Yann Lereux avec le spectacle Gravity, qui est un spectacle de cirque et de danse contemporain, qui lui aussi est un spectacle grand format qui sera joué sur la place Francis Mauran et qui réunit 5 acrobates circassiens. Dans un tout autre genre, on accueillera la dernière création de la compagnie, la vaste entreprise qui s'appelle Visite de groupe, et qui nous emmène dans une fausse visite guidée de la ville où on se rend vite compte que l'objet du spectacle est plus le groupe des visiteurs que la visite elle-même. C'est une expérience assez originale et assez ludique. Nous, un spectacle qui a été créé également à partir de tout un travail de collecte et de rencontre de l'eau des voix par la compagnie du Quai de la Voix. Le Balatroc dont j'ai parlé, la criée emmenée par la compagnie Nocturne qui va nous proposer des lectures musicales à partir de textes de François Chaffin. La compagnie Nocturne dirigée par Luc Sabot était en résidence là ces 2 dernières années sur le territoire. Et ces lectures musicales vont être l'occasion aussi d'une sorte de mise en bouche pour leur prochaine création qui s'appelle Les Grandes Bouches et qui sera joué en fin d'année. Donc voilà, ce sera une sorte de première, de mise en bouche. Et puis enfin, une création UI qui mêle 4 chanteurs plutôt de culture d'obédience, en tout cas occitane. Donc voilà, des spectacles véritablement à découvrir. Un festival, donc, vous le savez, qui est aussi sous le signe de la Méditerranée. Notre programmation est teintée de Méditerranée, on vient de parler de culture occitane, il y a beaucoup d'équipes qui viennent du bassin méditerranéen côté français. On aura aussi la chance d'accueillir Anas Habib, qui est un chanteur marocain et qui donnera, je pense, un très beau concert de musique classique arabe dans la cathédrale de l'Odève, qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'investir le temps du festival, mais qui est évidemment là aussi un très bel écran pour un concert, un très bel écran, pas écran, pour un concert, et qui est aussi l'occasion de visiter ce beau lieu patrimonial. Et puis les cultures méditerranéennes sont aussi mises à l'honneur à travers la scénographie du festival, qui est à nouveau confiée au collectif artistique Good Boy Crew, qui vont nous fabriquer une décoration originale de la ville. Et enfin, à travers un rendez-vous nouveau, qui sera l'occasion justement de mettre en avant un lieu qui est peu connu à l'Odève, qui s'appelle le Jardin de l'Écureuil,
qui a été entièrement rénové. Il a la particularité de faire le lien entre une maison de retraite et une maison de la petite enfance. Et c'est un très beau jardin qui sera l'occasion d'un grand repas méditerranéen partagé. Le principe est simple, chacun prépare sa meilleure recette méditerranéenne et vient la faire partager, goûter au public présent. Et le tout étant ponctué d'impromptus artistiques, de surprises artistiques par les compagnies fil rouge du festival dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis Fadila l'a dit également, un festival qui se veut ouvert à tous. Pour les spectacles qui sont payants, on est vraiment, on maintient une politique tarifaire plus qu'abordable puisque les places sont de 4 à 10 euros. Donc on fait en sorte que le prix ne soit pas une barrière pour accéder au festival, mais la participation, et puis oui, avec des propositions qui sont réellement conçues, pensées pour un public la plupart du temps extrêmement familial. Il y a évidemment tout est précisé dans le programme, des propositions qui sont plus ou moins adaptées à tel ou tel public, certaines qui vont parler plus à des ados, d'autres plus à des adultes, etc. Mais la majorité des propositions peuvent vraiment se voir en famille, y compris celles qui sont plus présentées comme jeune public. Je pense à un spectacle qui s'appelle Loca. Donc des projets vraiment pensés pour un public familial. Et puis une dimension participative très concrète à travers un certain nombre de projets qui mettent en jeu le spectateur, c'est-à-dire qu'on soit comédien amateur, qu'on soit plasticien amateur, qu'on soit journaliste amateur, on va pouvoir très concrètement participer au festival, d'une part à travers la scénographie, puisque le collectif Root Boy Crew va animer toute une série d'ateliers en amont du festival pour fabriquer collectivement la scénographie qui sera mise en œuvre dans la ville. On a une dizaine de structures partenaires sur ces ateliers. Il y a également des ateliers qui vont être animés en amont et pendant le festival par la radio RPH, donc ça c'est pour les journalistes en herbe justement, qui vont permettre de constituer des sortes de cartes postales sonores du festival qui seront ensuite diffusées sur RPH et sur notre site internet. Avec une session plus orientée enfant et puis une autre plus orientée ado et adulte. Et puis des spectacles également qui mettent en jeu, qui en tout cas pour ce faire vont nécessiter la participation de figurants. Alors sans qu'on ait besoin d'avoir des talents de comédien très, très poussés, je pense à un spectacle qui s'appelle Regard en biais, proposé par la compagnie La Hurlante, qui propose de suivre en déambulation un personnage qui s'appelle Noël Folie et qui justement traite un peu de la folie douce, de la folie quotidienne, de la folie que chacun a en soi. Et là, ils ont besoin de comédiens amateurs, enfants, ados, adultes, qui vont participer aux représentations. Et ce sera aussi le cas de visites de groupe. Donc cette déambulation un peu décalée qui prend le masque d'une visite guidée dans la ville, d'une visite patrimoniale et qui en fait détourne complètement les choses. Là aussi, on est en recherche d'amateurs qui participeront et qui répéteront, travailleront avec la compagnie en amont et qui ensuite participeront à toutes les représentations du festival. Mais vous pouvez retrouver tout ça dans le programme qui est tout frais, dans le site internet. Et je vous signale juste que la musique de la bande-annonce est signée Impérial Orphéon, qui ouvrira le festival le jeudi soir avec une proposition de bal très, très énergique. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions, évidemment. Et quelle est la proportion de la région ou du département dans le budget? Alors on n'a pas encore les réponses définitives, donc je peux plus parler de l'année dernière, mais l'année dernière, région et on est sur un budget d'environ 200 000 euros et région et département pesaient pour 85 000. Le département accompagnera à la même hauteur, je suis autorisée à le dire. Voilà. Et pour la région, on attend, mais bon. Bien que les choses. Oui, on a eu plutôt, on n'a pas eu de confirmation officielle, mais un bon accueil. Voilà. Et la DRAC représente combien?
Alors, c'est un support simplement. Non, la DRAC nous finance via un projet de résidence, le projet de résidence de la compagnie nocturne, puisque les DRAC ne financent plus les festivals. Et en revanche, comme vous l'avez vu, la compagnie nocturne intervient dans le cadre du festival, et donc à ce titre, effectivement, on bénéficie du soutien de la DRAC. Oui, c'est un peu indirect, mais les choses se posent quand même, hein, et la ligne de ce festival, vous voyez, elle est en train de se dessiner fortement vers la création, notamment. Et ça, je crois que c'est important. Pour beaucoup d'artistes, va devenir peut-être un lieu. Ben on l'espère en tout cas, puisque. De jaillissement. Ouais, vous le savez, il y a des festivals qui s'arrêtent. Encore, Saint-Jean-de-Védas avait un festival dédié à la création d'un espace public qui s'est arrêté l'année dernière. Donc ces festivals-là ne sont pas si nombreux en région. Et quand je dis en région, c'est bien la grande région dont je parle, la nouvelle région. Et donc on espère bien, effectivement, prendre notre place dans ce paysage. Au niveau de la fréquentation de l'année dernière, combien de lots de voix ont participé? On a un pourcentage à ce premier festival? Ouf. Alors, on a effectivement... on est sur une manifestation gratuite, très ouverte, oui, donc c'est difficile d'avoir. Mais oui. Cela dit, chaque année, on met en place une enquête publique. Et de mémoire, mais Céline, derrière son écran, va peut-être m'aider à me la rafraîchir. On était entre 25 et 28% du public de la communauté de communes. Ensuite, 40% de l'Hérault et le reste hors Hérault. Voilà, grosso modo. Quoi. Oui. Presque 30% Comcom, 30% de plus Hérault et encore un tiers au-delà. Vous allez toujours vous positionner à la même date, volontairement, compte tenu des... Les dates, c'est compliqué, parce que on a le 14 juillet, qui est sur une autre thématique et qui lui, est mobile en fonction de l'année. Enfin, ça ne tombe pas toujours le même jour. Donc, cette année, on s'est décalé du 14 juillet. L'année prochaine aussi, pour ne pas tout mélanger, et parce qu'il y a d'autres festivités. Il y a d'autres manifestations organisées. Mais ça veut dire que 2017, oui, on va être sur la même date, mais 2018, on va revenir un peu plus tôt dans le mois de juillet. Ce qui nous pose un vrai problème sur ces dates, c'est que c'est les mêmes dates que Chalon dans la rue, qui est une grosse manifestation de spectacle dans l'espace public à Chalon, comme on l'indique. Et donc c'est un peu problématique d'être sur la même date pour la disponibilité des compagnies, parce que nous, on avait l'habitude d'y aller pour voir des spectacles. Donc voilà. Mais bon, c'est toujours... Vous avez une volonté de mettre en priorité des groupes, des chanteurs, des artistes de la région, ou vous êtes obligé, parce que pour la diversité des spectacles, prendre des groupes externes? Ah ben, on prend des groupes externes, bien sûr. Ça correspond à la fois à un choix et une obligation. C'est vrai qu'on a une attention particulière pour la création issus de la grande région, déjà parce que c'est normal, il nous semble qu'il y a beaucoup d'artistes intéressants dans cette grande région, et donc on est l'occasion pour eux de mettre en avant leur création. Donc là, je crois qu'il y a à peu près une grosse moitié des équipes artistiques qui sont issues de la grande région. Mais on s'interroge. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'originalité, la qualité des spectacles. Donc évidemment, on a un regard beaucoup plus large. Après, c'est vrai que la dimension internationale est beaucoup plus compliquée, parce que là, il y a des coûts qui ne sont pas les mêmes. Quoi. Et puis, un créneau artistique, la création dans l'espace public, c'est pas que c'est une spécificité française, mais quand même, la France est particulièrement riche de propositions dans ces domaines-là. L'Espagne aussi, dans une moindre mesure l'Italie, et dans une moindre mesure encore le sud du bassin méditerranéen. Cet artiste a deux cheminements parallèles, l'un qui consiste donc en un travail sur le motif de l'arbre, et l'autre qu'il appelle les vies silencieuses et qui sont un travail de nature morte. C'est donc bien le premier aspect de son travail qui va faire l'objet d'une grande exposition.
et qui va permettre de découvrir une grande diversité de techniques et d'œuvres mises en œuvre par l'artiste. En insistant sur le fait qu'il s'agit d'une démarche extrêmement personnelle et assez intime, et qu'il faut une vraie proximité avec l'œuvre, je crois, pour l'apprécier, et que l'espace du cellier des évêques s'y prêtait bien. Donc, ce qui m'amène à dire aussi que nous avons tenu compte de cela. Donc, comme je le disais, plusieurs techniques qui vont rendre compte, donc fusain, la vie gouache, qui rendent compte de tout un travail sur le mouvement, sur la vibration, sur la lumière, sur l'effacement, sur l'espace, etc. Et une série de peintures de plus grand format à l'acrylique qui sont le fruit d'un travail que Alexandre Lannes mène en période hivernale, puisque l'été il est sur le motif, donc il passe ses jours à travailler dehors, devant les arbres, et en hiver, dans son atelier parisien, il se consacre plutôt à la réalisation de grandes toiles. Et cette exposition donnera également à voir le développement de la perception, c'est-à-dire quelles sont les variations autour d'un même arbre, qui sont des séries qui rendent compte de la complexité de ce que peut être la perception. Donc le parcours de l'exposition a été donc complètement revisité spécifiquement pour l'occasion. Et le choix que nous avons fait avec Alexandre Lannes est d'introduire la notion d'une entrée topographique de l'exposition, qui va positionner dans un premier temps une carte du territoire avec la localisation des arbres que Alexandre Lannes peint pour certains depuis plus de 20 ans, et qui sont matérialisés par une carte, et par des photographies prises par l'artiste lui-même au cours de ses séances de travail en plein air. Ensuite, le parcours se construit autour d'un jeu de questions et de réponses, puisque l'artiste, en parallèle de son travail plastique, écrit beaucoup, et que par conséquent, il souhaite donner des réponses à la fois plastiques, mais aussi écrites, sur sa démarche et sur ce qui se trame. Alors la première de ces questions, qui est « Pourquoi les arbres ?», elle porte sur le sens. Quel est le sens pour un artiste du XXIe siècle de travailler sur le motif, hein, c'est quand même, en histoire de l'art, une préoccupation qui remonte à assez loin. Et la deuxième question du parcours, qui est celle du pourquoi les arbres d'ici, nous ramène donc à cette idée de carte mentale d'un territoire propre à un artiste. Ensuite, la suite des questions et des réponses illustre les différentes interrogations sur ce qui se passe plastiquement, comment peut-on représenter le mouvement, comment peut-on représenter l'espace, la vibration, la couleur au travers d'un même motif. Nous avons adjoint à ce parcours, et afin de permettre aux visiteurs vraiment de pénétrer l'espace assez intime de l'artiste, d'accompagner l'exposition d'un dispositif audio avec plusieurs entrées possibles. Et une de ces entrées consiste en la transcription par audio, lue par un comédien, des écrits et des réponses aux questions qui sont formulées au cours de l'exposition. Ce qui va permettre aux visiteurs de se promener tout en ayant une approche très précise de la démarche de l'artiste et de mieux l'appréhender. Ce qui est important dans le travail d'Alexandre Lannes, c'est la question de la durée. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un certain nombre d'entre eux, Alexandre Lannes peint ses arts depuis plus de 20 ans, dans une relation presque fusionnelle, et ce qu'il l'interroge, c'est
Alors, il nous livre les mutations de l'arbre, bien sûr, parce que parfois ils évoluent en fonction des orages, de la foudre ou d'autres événements naturels. Mais ce qu'il interroge surtout, c'est ce qui finalement se modifie en nous face à un motif qui, lui, ne bouge pas tant que ça. Donc c'est plutôt cette question-là qui est interrogée dans l'œuvre de l'artiste. Et nous avons pris le parti de faire cohabiter dans l'exposition des œuvres de périodes très différentes, c'est-à-dire qui remontent pour certaines à 20 ans et d'autres d'aujourd'hui, ainsi que des formats très, très variés qui permettent vraiment d'avoir une approche l'artiste nous invite ainsi à avoir un parcours tout à fait personnel et de sa démarche. Donc l'espace d'exposition a été entièrement repensé et avec l'artiste, avec Alexandre Volin, on y a beaucoup réfléchi ensemble, et il a lui-même décidé de profiter d'un certain nombre, de la particularité, des caractéristiques du bâtiment, notamment des grandes verrières, par exemple, pour installer prévoir des installations spécifiques au lieu. Et enfin, vous dire que deux films vont permettre également aux visiteurs d'appréhender encore mieux sa démarche. L'un est un film qui joue sur la lenteur, justement, et qui ne montre sans aucun commentaire, qui montre l'artiste en train de réaliser sa manière de travailler, l'artiste à l'œuvre. Et le second est un film qui est un entretien et qui permet du coup de faire parler l'artiste sur sa démarche. En conclusion, je voulais dire que cette exposition est tout à fait en lien avec le projet scientifique et culturel du musée, qui est de mener une réflexion sur le thème du passage et de l'empreinte et des traces laissées par chaque acteur à travers le temps. Et depuis le début, dans ce projet, nous souhaitions y associer la création contemporaine et inviter des artistes à mener cette réflexion et à participer à cette réflexion au travers de résidence. Alors, je précise que le travail d'Alexandre Lann n'est pas le résultat d'une résidence, mais sa démarche fait totalement écho à ce projet, qui est celui de mettre notre rapport à ce qui nous entoure au centre pour en mesurer l'importance. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Christine Bousquet, donc nous proposons un certain nombre d'animations qui accompagnent l'exposition, alors avec des visites thématiques qui sont axées bien sûr sur la spécificité de l'exposition, notamment la question du peintre sur le motif qui va être mise en relation avec l'histoire de l'art et qui est de cette démarche de la peinture sur le motif. La question aussi de l'évolution de la peinture du paysage, enfin paysagère. Et comme le disait Marie-Christine Bousquet tout à l'heure, donc avec nous avons vraiment la chance de pouvoir proposer une visite nouvelle que nous avons mis en place avec le propriétaire du château, qui est donc le domaine de Montplaisir, qui est un lieu qui a été très très longtemps, je crois, fermé au public, enfin que les Lodévois connaissent très peu, si ce n'est pour passer à côté et se dire qu'est-ce que ça a l'air beau. voilà, donc nous proposons des visites couplées entre l'exposition et cet endroit, parce que ça nous a paru intéressant de par la résonance, ainsi qu'avec le parc du prieuré de Grandmont. Et puis, nous accompagnons l'exposition d'une soirée de lecture des écrits de Alexandre Lann, lu par Daniel Faugeras, ainsi qu'une conférence de Pierre-Étienne Schmitt sur le motif de l'art en histoire de l'art. Et puis, nouveauté cette année aussi, l'association avec le Théâtre du Théva pour un spectacle qui a pour thème l'arbre. Voilà.
Alors, le musée de l'Odève, il va être très tourné, on l'a dit, sur le territoire. Donc, l'idée, c'est d'abord de pouvoir exposer l'œuvre de Dardet. Cette œuvre de Dardet qui est très méconnue et qui a... On avait du mal à la mettre en valeur. Donc là, on va pouvoir donc vraiment donner à découvrir cette œuvre. Et il y aura notamment un événement un peu particulier qui sera l'installation à l'intérieur de ce musée du grand fond de Dardet, qui était au château de Vizille, mais qui supporte mal, qui supporte pas d'être aux intempéries. Donc du coup, on va installer cette œuvre monumentale à l'intérieur du nouveau musée, mais aussi donc mettre en avant ces sculptures, ces dessins. Il y a un fond important. Et territorialement, Dardet, c'est important. Il est né à Olmé, on suit sa trace sur Soubesse avec un atelier, avec le monument aux morts, sur Saint-Maurice. Et sur Saint-Maurice, il y a son atelier que M. Guillain fait vivre aussi. Et là aussi, il y a des choses qui vont se passer. Donc voilà, déjà, Dardet va être largement mis à l'honneur et il a un espace dédié. Il rentre au musée. Hein, voilà. Ensuite, alors en écho avec ce que fait M. Guillain à Saint-Maurice, hein, voilà. Mais je pense qu'on va travailler sur un parcours Dardet aussi un peu plus formalisé. Ensuite, il y a le monument aux morts aussi, hein, bien sûr, surtout pas oublier d'en parler. Après, donc, il y a tout un étage qui sera consacré à toute l'histoire de l'Odève en termes de géologie, archéologie, paléontologie, parce que je crois qu'on est un des territoires les plus riches, les plus connus, mais qu'aujourd'hui, notre muséographie, elle date un peu. Et là, on va avoir toutes les techniques nouvelles pour mettre en avant tout cela. Donc, Yvan en parlerait mieux que moi, mais on vous reviendra là-dessus. Et puis, bien sûr, il y aura tout un espace dédié aux expositions qui vont avoir lieu dans ce musée. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire valoir notre territoire et cette richesse qui nous appartient et qu'on a besoin de faire partager. Peut-être vous voulez compléter là-dessus. Oui, peut-être juste vous dire que les superficies effectivement vont évoluer. Alors ça pour ce qu'on appelle communément les sciences de la terre, mais enfin pour le parcours géologie et paléontologie qui va être complètement revisité. La volonté étant d'être dans un parcours extrêmement immersif pour le visiteur, immersif plutôt du domaine de, même si on reste dans les contenus scientifiques, évidemment, qui seront abordés et abordables. Justement, ce qu'on souhaite, c'est un parcours poétique, immersif, hein, dans lequel les nouvelles technologies vont jouer leur rôle. Donc, pour ces collections-là, on passe de 150 mètres carrés à 700 mètres carrés. Donc, c'est ce qui est énorme, non ? Pour les collections d'archéologie, on augmente également légèrement, puisqu'on passe de 150 à 250. Dardet, jusqu'à présent, on lui consacrait à peu près 100 mètres carrés, on va passer à 250 mètres carrés, avec 4 salles qui vont être consacrées uniquement à la sculpture, et une dernière salle consacrée aux arts graphiques, dans lesquelles il va être instauré un roulement régulier pour montrer la richesse, mais aussi pour des raisons de conservation préventive. Et l'espace d'exposition temporaire, qui sera, comme dans l'ancien musée, situé au premier étage, sera, lui, augmenté d'un peu plus de 100 mètres carrés, puisqu'il passe de 420 à 550. Ouais. Donc ça va être très très beau. Très très grand, très très beau. Et comme le disait Marie-Christine Bousquet, je pense qu'à la rentrée, nous allons organiser pour la presse une visite de chantier. Comme ça vous permettra plus facilement de vous projeter dans l'espace et d'imaginer les choses. Enfin, pour vous dire qu'en ce moment, nous travaillons justement
à la rédaction des scénarii de tous les multimédias qui vont accompagner les sciences de la Terre et l'archéologie notamment. Donc c'est un gros travail de réflexion sur ce qu'on veut faire passer comme message, de quelle manière on a envie de le faire passer, et comment ces messages peuvent être complémentaires, bien sûr, avec les objets et avec les textes. Vous avez déjà choisi le thème de l'exposition temporelle en 2018. Oui, mais je ne dirai rien. Par contre, 2017, on peut vous dire. Il s'agit d'un titre provisoire, mais c'est une exposition exposition qui porte sur une collection exceptionnelle de gravures, tout à fait exceptionnelles, qui vont de Dürer à Picasso, en gros, voilà. Donc, ça c'est pour 2018. Mais on vous en dira plus l'année prochaine. Mais pour 2018, c'est un artiste ou un groupement d'artistes ou une collection privée? C'est ni l'un ni l'autre, ce sera une exposition thématique. Non, mais je vais essayer de... Mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Juste, vous avez prononcé le nom de paléontologie, je m'adresse plutôt à la conseillère départementale. Au niveau de... Je crois que ce n'est pas la communauté de communes du Haut-des-Warzac, c'est l'autre à côté. Au niveau de la dalle de la Liode, est-ce que le conseil général départemental ne pourrait pas faire quelque chose? Parce que c'est vraiment dans un état... La Liode, ça... Nous, on a une dalle, mais qui est sur le site d'Areva, avec des empreintes c'est le cœur monté, je crois que c'est le cœur monté. Ça doit être sur le cœur monté, oui. Oui, mais ça avait été fait par le conseil général à l'époque de SOMAD, donc depuis, ça n'a pas... Je m'en préoccuperai, je vais voir. Ça, mais... À la limite, il vaudrait mieux le recouvrir et d'enlever le bâtiment. Alors, la seule chose que je peux dire, moi, me concernant cette affaire, c'est que c'est très compliqué, parce que je crois que ça met en œuvre un propriétaire. Enfin, je crois que le dossier est compliqué. Je n'en sais pas plus, mais il y a eu des volontés, mais qui se heurtent, il me semble, à des problèmes qui ne sont pas maîtrisés par les collectivités. Je vais quand même m'en expliquer. Oui, parce que, soyez au mieux, carrément recouvrir de terre et laisser enlever le bâtiment qui est rouillé, c'est épouvantable. C'est plus près de la friche qu'autre chose. Voilà, et enlever le fichage, quoi, parce qu'on voyait des touristes là-dessus. C'est dommage. Et oui, c'est toute la problématique de ces traces, ces empreintes, c'est qu'à l'extérieur, pour les préserver, c'est compliqué, sans compter qu'il n'y a pas de législation comme sur l'archéologie. Donc ça peut ouvrir les portes à des pillages, enfin c'est très compliqué. Ça, il y a beaucoup. Mais le musée, depuis que le projet est en route, nous avons eu énormément de dons qui ont été liés avec le musée. Et de choses exceptionnelles, vraiment des collections magnifiques, notamment d'empreintes d'insectes, etc., qui vont justement être mises en valeur dans le parcours et qui sont des choses qu'on n'avait pas encore dans les collections. Et sur ce volet-là, le musée de l'Odève, il est connu surtout par des chercheurs. Et on a vraiment beaucoup de travaux de recherche, mais c'est vrai qu'il n'est pas très connu du grand public parce que je pense qu'on a besoin, et c'est ce que l'on va faire, de mettre en valeur, en scène, d'animer tout ça. Et le fait justement d'avoir entamé des travaux avec une nouvelle configuration, vous avez senti vraiment un démarrage dans les dons dans Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 très clairement là. Oui, très clairement. Ouais. Ça concerne d'ailleurs pas seulement la géologie, la paléontologie, pardon, mais également l'archéologie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service régional de l'archéologie et nous sommes en train d'enrichir les collections, notamment de sites qui ne sont pas... qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas très connus, comme par exemple la grotte d'Alden, qui est une grotte qui est contemporaine de Chauvet, pardon, et qui n'était pas du tout mise en valeur et dont les collections sont conservées. Ça c'est le hasard des chercheurs qui sont affectés à certaines institutions au musée de Monaco. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc nous sommes en pleine négociation justement pour récupérer ces collections et pour les mettre en valeur dans ce nouveau parcours.